Hey, salut tout le monde, c'est quoi? Moi, Gus, et bienvenue aujourd'hui sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière abonnée, la suite de nos aventures. Bientôt la fin de l'équipe Movistar, hein. D'ailleurs, c'est la dernière course que vous verrez en vidéo. C'est le Tour de Lombardie, nous sommes le 4 octobre 2018. Je vous rappelle que je suis champion du monde, donc on va étreiner ce nouveau maillot. Et vous allez voir aussi que il y a des nouveaux maillots. Voilà, j'ai mis le maillot 2016, il était temps. Le Tour de Lombardie, le seul monument que j'ai gagné d'ailleurs hein, dans ma carrière. Alors, qui sera donc présent? Par exemple, Tolosa, Cléris, Agia, Mine, Gaming, Klaus, Langoué, Marchand, Le Blaireau, Peters, Puelta, Bouchot, Pazzo, Lemonte. Alors, c'est pas ici, j'ai pas mis les nouveaux maillots par contre. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Il faudra que je le fasse. Arzamendi est présent. Valentin. Damien Rose. Laloa. Mario. Sebran. Mastour. Fufu. Voilà. Et bien sûr, vous verrez la suite après. Hein. Les favoris. Il y a Gilles. Consonni. Mentias. Alaphilippe. Jacobsen. Marc. Spartacus, Katowski, Peters, Sourgé et Maldonado. Alors, oui, ça, je vais plus mettre les maillots là, mais il faudrait que je le fasse, tiens, prochainement. Ouais, je le ferai, je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas fait, mais ce sera fait. Allez, bref, c'est parti pour le Tour de Lombardie, Bergamo, Lecco. 247 km au programme, et on se retrouvera, je pense, par ici ou par là, je ne sais pas. Voilà, faudra pas que ça dure trop longtemps, quoi. Allez, sur ce, let's go! Pour le Tour de Lombardie. A tout de suite. Les 58 derniers kilomètres de ce Tour de Lombardie. On met pause comme d'habitude pour voir qui est présent. Jack Bauer est là, tiens. Il n'y a que Lustis qui est là. Le Blaireau, Medetz. Alors, après, vous mettez pause, hein, bien sûr. Je vais pas non plus tout regarder. Vous mettez pause pour voir si vous y êtes ou pas. Comme d'habitude. Bel accord qui est là. Je regarde moi ce que je connais bien, hein. Voilà, après je ne peux pas voir tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde, bien sûr, c'est trop long sinon. L'équipe VFDJ est bien aussi, avec pas mal de coureurs. Bosoni n'est pas là, tiens. La Turku est là, mais il n'y a pas Unovias. Dommage. Unovias. Chatri est là, tiens, Enzo. Bref, voilà, vous mettez pause et vous regardez si vous y êtes ou pas. J'espère pour vous que vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, bah tant pis, c'est comme ça. Allez, Tour de Lombardie, très beau décor à chaque fois. Hein. Tour de Lombardie, j'aime beaucoup cette course. Moi. Voilà, comme ça. Une course que j'apprécie énormément au niveau décor et tout ça, c'est vraiment excellent, quoi. En tout cas, plus 1 pour le petit Quam, plus 5 pour Sourgé, plus 3 pour Navarro. Pas mal tout ça. Alors qu'il reste donc 54 km et 122 coureurs dans le peloton. Alors qu'il y a le champion des États-Unis qui est présent. Peters, un abonné, tiens, qui est champion des États-Unis. Et ça remonte. Allez, on se passe à l'avant. Alors les nouveaux maillots sont présents, sauf pour l'équipe Lotto Enel que j'ai oublié, l'équipe Tinkoff que j'ai oublié. Voilà. Mais sinon, vous voyez que la ATX, c'est le nouveau maillot. La Katusha, vous voyez peut-être pas, mais. Movistar aussi, même s'il n'y a pas eu de changement, je crois. La Yam, c'est nouveau maillot. La Trek aussi. Enfin voilà quoi. Ce sont des nouveaux maillots 2016 quoi. Ça roule fort là. Avec la Movistar, Navarro. Je crois que Rodriguez est présent, tiens. J'ai même pas fait gaffe. La Géant, enfin, ouais. Non mais c'est cool, ouais. C'est vrai que je me suis dit quand même, il était peut-être temps quand même de mettre les maillots 2016, c'est vrai. On m'avait signalé une fois. On m'avait dit, tiens, quoi, t'as pas mis les maillots 2016. J'aurais pu attendre la prochaine saison, mais je me suis dit, bon, là, je vais le faire maintenant, comme ça au moins. C'est fait. Puis on est en fin de saison, donc on peut. Voilà. Ça a du sens tout de même. Ils étreignent leur nouveau maillot, surtout dans Lombardie. Ah, si, ça peut être sympa. Maillot de champion du monde, bien sûr, pourquoi, mais. Oui, le bois, vas-y, bloque-moi bien, toi. Le maillot de champion du monde, il est beau, il est là, il est présent. Le maillot de l'auto. Ouais. Donc, il n'y a que deux équipes. Hein. Il y a l'auto NL, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient changé. Et la Tinkoff, que j'ai oublié. Voilà. La Katusha, voilà, avec leur nouveau maillot, avec le K.
On retourne sur Quam. Pas d'échappée. Il y en a eu tout à l'heure, mais voilà, ils ont été repris. Donc là, on va encore accélérer, bien sûr, dans la petite bosse. Hein. Comme d'habitude, hein, vous savez que moi, dès que ça monte un peu, hop, j'accélère. Pour faire un peu d'écrémage, pour user mes adversaires. Regarde, maintenant, c'est joli quand même avec les... C'est joli. L'effet lentille. Non, c'est beau. Non, mais écoutez, hein, quoi. Alors qu'il pleut. Quand des choses sont bien, faut le dire. Que les choses ne sont pas bien, il faut le dire aussi. Bref, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Pas nous voir tout en noir, tout en critique, mais pas non plus voir tout en beau, tout en... Ouais, c'est magnifique. Non, non, non. Il faut être réaliste et dire les choses, voilà. Ça a toujours été mon credo, ça a toujours été mon truc, donc ça ne changera jamais. Même si on me paye. Bon, pour l'instant, je vois pas qui pourrait me payer pour faire des vidéos. Hein, vu. J'aurais un petit zéro en plus au niveau des abonnés, c'est-à-dire que si j'avais 30 000 abonnés, ah, peut-être que les choses seraient différentes au niveau... Mais bon, pour l'instant, non. Je n'ai pas assez d'abonnés pour que le monde propose quoi que ce soit. À part Focus, peut-être PCM, voilà, mais le reste, non. Dommage, j'aimerais bien. Bref, bientôt les 30 derniers kilomètres, 36 bornes. Ça ne devrait pas tarder à attaquer, peut-être. Là, je suis assez étonné, sur le championnat du monde, ça n'a pas attaqué, personne n'a tenté quoi que ce soit, ça c'est étonnant. Ils sont restés assez, comment dire, statique, assez passif. Ouais. Après, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas m'en plaindre vu que ça m'a permis d'être champion du monde. Ah, c'est qu'un plaisir. Franchement, ce maillot de champion. Allez. Je vous rappelle que le tournoi de Lombardie, c'est le seul monument que j'ai remporté une fois déjà. C'est le seul. En 4 saisons. Bon, après les 2 premières saisons, c'est compliqué, hein, bien sûr. Hein, mais tout de même. Alors, pour info, pour le 2016, il y aura d'autres choses de prévues. Bien sûr, il y aura pas mal de choses de prévues. Je ferai autrement pour vous ajouter à la carrière. Hein, je le ferai différemment. Vous ne serez pas forcément non plus tous des monstres, hein, bien sûr, non, 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 quand même pas. Mais parce qu'il faut aussi un côté aléatoire et c'est aussi bien que, bah, comme en vrai, quoi. Tous les coureurs ne sont pas des monstres, hein, voilà. Mais je vais essayer de faire en sorte que quand même vous soyez des coureurs intéressants, avec du potentiel et des possibilités de victoire. Ah, ça attaque. On va suivre l'attaque, tiens. On va y aller aussi, nous. Attaque Kwiatkowski et de Alaphilippe. C'est bon, il reste 20 bornes. Ils sont présents 6 coureurs à l'avant. Kwiatkowski, Aru, Mentius, Peters, Alaphilippe et Quam. Ils s'en prennent des petits bidons, tiens, juste pour dire que. Donc on approche. Vas-y, prends-le ton bidon, mais ça me casse les burnes à chaque fois, sans déconner. Faudrait qu'on m'explique pourquoi il le prend pas, quoi. Enfin bref. Alors qu'on va entamer l'avant-dernière difficulté de ce tour de Lombardie, ça roule fort, très fort même j'ai envie de dire. Allez, ça monte. Et ça attaque. Attaque d'un CLC, attaque de Mentius. Ouais, faut que j'y aille là, j'ai pas le choix. Parce que la Mentius, il est parti. Hein. Tout le monde suit tranquille, hein, bien sûr. C'est la fête. Ouais, faut que je me repose un peu là, j'ai plus beaucoup d'énergie. Il reste encore 12 bornes, c'est mal parti pour ce tour de Lombardie, je pense. Je pense que c'est mal engagé pour moi. Ça va être compliqué, ouais. Je ne gagnerai pas avec les maillots champions du monde au tour de Lombardie. Il reste 10 bornes. Dommage. Mais tiens, c'est bien parti devant.
Allez, plus que 7 km, 500. Allez, la montée. Et là, faut tout donner. Vas-y, pousse-moi, toi. Vas-y, t'as raison. Faut tout donner. Y a pas le choix. Ah, je peux pas attaquer. Hein. J'ai plus beaucoup de jaune là, donc je garde un petit peu de pour le sprint. Hein. Allez, faut qu'on recolle là avant la montée, avant l'essence plutôt. Excusez-moi. Mon gel qui maintenant. Ah ouais, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien là. Voilà. Y a plus qu'à attendre. Nous sommes partis avec Mentiès. Nous sommes deux. Je le suis. Nous sommes quatre. Nous sommes deux. Nous sommes quatre. Nous sommes deux. Nous sommes six. C'est les virages. Hein. Voilà. Non, non, c'est mort pour moi. C'est mort pour moi. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est mort. Voilà, ça rame un petit peu là dans cette fin de Tour de Lombardie. On suit Valafilippe alors qu'il reste 2 km à parcourir seulement. Ouais, c'est compliqué. Ça roule pas là. Ça roule pas. Hein. Bon, bah je vais lancer le sprint. Hein. Allez, c'est parti pour Kwam. Mes 80 d'accélération. Allez, Kwam. Un petit sprint hein, vu qu'on a démarré au kilomètre. Allez, 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 c'est bon. Victoire de Kwam Aegu sur le Tour de Lombardie. Décidément, Kwam est en pleine forme en ce moment. Ils sont tous les 5 derrière là. Mais c'est Kwam qui l'emporte. Devant Kwiatkowski, Mentiès, Roux, Alaphilippe et Kelderman. Et une nouvelle victoire pour Kwam. Décidément, Kwam. Ah, mais il fallait faire l'effort tout à l'heure. Hein. J'ai bien fait de le faire, même pour coller à Mentiès. Hein. J'ai bien fait de le faire cet effort. Guillaume Marchand est là et c'est le seul abonné présent. Donc oui, l'année prochaine, vous aurez d'autres coureurs et vous serez meilleur. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous serez meilleur. Et on vous verra donc beaucoup plus dans la carrière. Mais vous ne serez pas tous des bons, encore une fois. Vous ne serez pas tous dans des grosses équipes, encore une fois. Voilà. Bref, victoire de Kwam Aegu. C'est mal fait là, parce que je devrais avoir mon maillot de champion du monde hein, et pas mon maillot Movistar, mais bon, c'est pas grave. Par équipe, la Tinkoff tiens, qui l'emporte. Et voilà. Les champs. Non, le Tour de Lombardie. Avec donc. Je vais le faire défiler, bien sûr. Vous mettez pause hein, pour voir si vous y êtes. Voilà, c'était donc le tour de Lombardie, pas de points, tout va bien. Cinquième classique pour moi, deuxième monument, mais deux fois le tour de Lombardie, hein, 115e victoire. Et c'est donc la fin de saison, prochaine vidéo ce sera le bilan. Toutes ces courses-là seront jouées en live, je vous le dis. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures et la saison 5 de la carrière. Abonnez. Allez, ciao tout le monde.